Comment tirer le meilleur parti d'un livre? On appelle ça le marketing du livre. Oui, tu peux vendre des best-sellers. Oui, tu peux devenir l'auteur de l'année. On va voir dans ce live, dans cette vidéo-là, on va voir justement tous les bons conseils, tout ce à quoi il faut penser lorsque tu penses et lorsque tu as un projet de livre. Est-ce que tu fais appel à un éditeur ou est-ce que tu fais ce qu'on appelle de l'auto-édition? Donc, on va voir les avantages et inconvénients de l'une et l'autre formule. Ensuite, je vais te montrer des exemples de livres et je vais te montrer ceux qui ont été édités, ceux qui ont été en auto-édition et tu verras les ingrédients importants à avoir sur ton livre pour que ton livre, eh bien, puisse s'inscrire parmi les best-sellers. C'est tout le malheur que je te souhaite. Et on va voir ça dans un instant. Et également, j'ai des écrans à partager avec toi. Je vais décoder le tunnel. Ce qu'on appelle the book funnel, the book formula, appelle ça comme tu veux, le tunnel suite à un livre, le free plus shipping, c'est-à-dire du gratuit plus tu fais une petite participation aux frais de transport parce que je vais t'envoyer un super livre. On va voir ça, on va décortiquer une personne que j'adore. Donc là, je vais disséquer en mode avec mes petits couteaux là de chirurgien. Russell Brunson, son livre Dotcom Secret. Si t'as pas son livre, c'est obligé, tu te le commandes, tu te débrouilles, tu vas même passer éventuellement par les formulaires de capture que je vais te montrer ici pour le recevoir par la poste. Peu importe, tu le commandes sur Amazon, tu te dépêches. C'est le livre à lire. Dès que tu lis les premières parties, ça te retourne tout de suite et tout de suite tu dis j'ai envie de lire la suite. C'est très très riche en contenu et c'est toujours d'actualité. Et il est présent dans son livre, le fameux tunnel de livres et sa technique, ce qu'on appelle le free plus shipping. Donc, un livre gratuit, participe juste aux frais de port s'il te plaît. On va voir comment ça marche et en quoi c'est génial cette méthode-là. Est-ce que ça te plaît déjà comme programme? Et puis, une dernière partie, si des fois j'oubliais, bah, tu me le rappelleras en commentaire. Comment écrire efficacement un livre? Bah oui, parce que c'est pas le tout d'avoir ce projet de livre. Comment tu peux l'écrire? Et j'ai des exemples et des ambitions pour écrire aussi mon propre livre. Je vais t'expliquer comment ça peut marcher, comment tu peux faire ça efficacement. Est-ce que ça te plaît comme programme? Tu me laisses ça en commentaire. Bon, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont venus nous rejoindre. Est-ce que tout va bien? Voilà, dis-moi en commentaire où tu es, d'où tu me regardes. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ce programme te plaît? Continue à me poser également tes questions en commentaire, j'y réponds. J'ai déjà reçu une question là tout à l'heure, je vais la traiter. Continue à me poser ces questions. Donc, la première partie de ce live, c'est de se dire, ok, je vais être l'auteur de l'année. Déjà, ça t'apporte quoi d'être l'auteur de l'année? C'est une petite expression pour dire que c'est un critère d'autorité, de notoriété, la star, appelle ça comme tu veux, mais ça a un critère d'autorité qui pèse dans la balance. Imagine quelqu'un comme ça, tu hésites entre deux experts. Et on te dit, l'expert A, il a de la bouteille le garçon, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Et l'expert B, il a sorti un livre. Ah! Tout de suite, il y a un critère un peu qui t'influence parce que c'est ce critère d'autorité par rapport à l'auteur d'un livre. Donc, être auteur d'un livre, ça t'apporte un critère d'autorité. Maintenant, tu peux te dire, bah, soit je me mets à genoux face à des maisons d'édition en tapant à leur porte tous les jours en disant, hey, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer, j'ai des choses à vous dire. On va voir comment ça peut se passer pour être convoqué par une maison d'édition, est-ce qu'il y a des stratégies à faire? Ou alors tu te dis, bon bah tant pis, j'oublie ce créneau-là et j'opte plutôt pour l'auto-édition. Alors attention, hein, quand on parle d'édition d'un livre, il faut surtout pas penser à, ce n'est pas seulement la petite partie qui consiste à imprimer ton bouquin et éventuellement utiliser des services qui t'impriment ton livre et qui te le distribuent pour toi par la poste. Ça justement, sur ce sujet, j'aurai l'occasion de faire une partie 2 à ce live. Le live que tu vois aujourd'hui, c'est une grande partie 1. Dans la partie 2, je reçois un boss de l'auto-édition qui justement fait ces services-là d'imprimer et d'envoyer les livres et qui connaît très très bien comment ça peut se passer. Il fait bien plus que ça, hein. C'est pas simplement j'imprime avec mon imprimante jet d'encre, je fais de la reliure et je t'envoie ça par la poste avec un timbre dessus. Non, vous allez voir dans la partie 2 de ce live, ce sera la semaine prochaine pour vous qui nous découvrez là en direct, je reçois un boss qui propose un super service justement pour faire de l'auto-édition. La principale différence entre faire appel à un éditeur ou faire de l'auto-édition. Et ça, c'est ça, franchement, un énorme merci à mon audience, un énorme merci à mes amis parce que,
En préparant ce direct, j'ai posé la question et beaucoup de gens sont venus m'apporter des réponses riches que je mettrai en commentaire en dessous de cette vidéo. Et à chaque fois, c'était très très pertinent. Et donc, ce qui revenait globalement sur le principe, c'est de dire, allez, je te l'ai fait un petit peu en vrac, les avantages et les inconvénients. L'avantage, par exemple, de l'auto-édition, c'est que quelque part, tu es un petit peu plus libre sur ce que tu vas écrire dans ton livre, sur la structure, sur ton sommaire. Tu vas être beaucoup plus libre en auto-édition quand c'est toi-même qui commercialise ton livre et qui en est responsable de bout en bout, qui va même chercher les lecteurs, parce que c'est à toi de démarcher tout ça. Tu fais de l'auto-édition, donc c'est à toi de placer ton livre, hein, c'est à toi d'aller le vendre. Bien ça, tu peux effectivement, tu as la souplesse de pouvoir déjà choisir ton propre timing par rapport à la sortie du livre. Soit tu peux le sortir rapidement ou tu traînes et il sort plus tard. Et surtout, tu peux le structurer comme tu l'entends avec, et c'est l'objectif d'un livre, c'est qu'au maximum, tu puisses renvoyer vers des ressources que les personnes vont venir chercher sur ton site internet en échange d'un contact email, par exemple. Et là, donc, tu utilises ton livre comme un point pour capter du trafic qualifié vers ton site de personnes qui ont dit « Putain, j'ai lu ton livre. » À l'intérieur, tu dis à la fin du chapitre 1, viens télécharger justement la checklist ou la guidelines, le bonus en lien avec ce chapitre 1. Il est disponible ici, à telle URL. Excellent, tu y vas. Bon, pour télécharger vos bonus, merci d'avoir acheté le livre. Maintenant, rentrez vos contacts pour pouvoir accéder à l'espace privé. Bah, bien sûr que tu le fais. C'est gratuit, c'est un complément pour l'auteur. Eh bien ici, ça lui apporte un lead qualifié qu'il va pouvoir derrière nourrir de contenu complémentaire au livre et s'autoriser à de temps en temps le faire rentrer dans des séquences pour le rapprocher de ses produits et services. C'est tout à fait normal et c'est aussi à ça que ça sert la stratégie d'un livre. Et dans un instant, tu vas découvrir une formule encore plus explosive pour éditer un livre en auto-édition et de pouvoir être maître de sa distribution et là de voir les stratégies que tu peux appliquer. Parce qu'un autre avantage en auto-édition, c'est que c'est toi qui détermine un peu ton prix, qui calcule ta marge et tu gagnes peut-être un peu plus d'argent parce que c'est toi qui détermine ces choses-là. Cela dit, en auto-édition, eh bien, c'est à toi d'assumer toute la commercialisation, la distribution et la promotion de ton livre. Alors que du côté de faire appel et être épaulé par un éditeur, eh bien là, quand même, ça offre quand même de nombreux avantages, il ne faut pas les négliger. L'éditeur, certes, c'est lui qui te propose un planning, et on convient d'un planning, mais quelque part, c'est lui qui donne la danse. C'est lui qui est responsable de la sortie du livre et de sa commercialisation. Mais toi, tu bénéficies de son expérience. Je te parle ici d'un éditeur connu. Un éditeur, c'est pas le petit éditeur du coin de rue qui vient de se lancer. C'est un éditeur de renom. Et ça, pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en termes d'autorité perçue, c'est quand même la classe. Entre avoir quelqu'un qui est auto-éditeur de son propre livre, tu peux te dire, bon, ok, le mec, il s'est fait plaisir. Ou voir le livre d'une personne que tu connais à la Fnac, chez Cultura, en tête de gondole, distribué sur Amazon, mais avec genre le nom de l'auteur et à côté un gros tampon de la grosse marque de l'éditeur célèbre. Là quand même, en termes de notoriété perçue, c'est la classe. Tu te dis, c'est peut-être l'élu ce garçon, c'est celui qui a été choisi par la communauté de lecteurs. Bon, dans la réalité, il y a différentes façons pour être démarché par un éditeur. Soit c'est par recommandation, c'est ce qui m'est arrivé, et merci à Frédéric Canvet, avant que j'oublie de te remercier Frédéric, effectivement j'ai été recommandé par ses soins auprès d'un éditeur connu, et j'ai commencé donc à écrire mon livre qui sortira courant de l'année. Et je ne suis pas maître de vous garantir une sortie, puisque ça dépend de tout ce que j'ai convenu avec l'éditeur. Une autre façon de pouvoir être démarché par un éditeur, c'est lorsque vous avez une popularité déjà et une influence déjà reconnue et que vous avez un sujet que vous apportez de la valeur. Donc à un moment donné, vous pouvez aussi vous faire repérer naturellement, on va dire, chassé entre guillemets par un éditeur. Mais voilà, il y a la recommandation, être chassé par un éditeur, avoir pratiqué le fait de faire de l'auto-édition et que ça ait bien marché pour vous, et donc vous pouvez aussi utiliser ça comme un argument. Le jour où vous voulez démarcher un éditeur, vous pouvez dire, écoute, voilà, c'est simple, tu l'as peut-être vu toi-même puisque tu fais de la chasse aux auteurs. Eh bien, je te démarche parce que la collection que je connais chez toi, il manque tel sujet. Et regarde, j'ai fait un best-seller, quelque chose qui s'est très très bien vendu et qui a très bien fonctionné, donc qui prouve que ça marche, que c'est un sujet porteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi une troisième stratégie pour être
pour signer avec un éditeur. L'avantage du côté éditeur, c'est qu'encore une fois, c'est lui qui va, avec son expérience, eh bien, commercialiser ton livre, en assurer la promotion, et toi, tu vas être aussi co-créateur de cette promotion, puisque tu vas pouvoir être invité à des séances de dédicaces, tu vas aller sur des salons pour proposer d'intervenir sur des sujets et le livre sera distribué dans le stand juste à côté. Il y a plein d'autres choses avec des relais dans les médias, puisque les médias aussi, ils sont à la chasse d'experts, les médias. Donc dans les relais presse, les médias, ils sont aussi assez friands de voir que ils cherchent à aborder tel sujet, ils vont regarder les bouquins qui existent, repérer 2-3 auteurs, et donc naturellement venir te démarcher pour un interview. Donc en termes de relais presse, ça aussi c'est puissant. Et tu bénéficies encore une fois de toute la puissance et l'expérience de l'éditeur qui connaît ces mécaniques-là. Toi, tu ne les découvres pas pour la première fois en tant qu'auto-éditeur. Tu vis, quoi, tu surfes dessus. Et il faut être bon élève, évidemment. Il faut rendre ta copie dans les temps. Il faut se déplacer aux dédicaces. Il faut montrer aussi que tu as envie de faire connaître ton livre auprès de ta communauté, comme si tu étais un auto-éditeur. Donc, ça a aussi du bon. Certes, tu vas gagner moins d'argent, puisque le principe d'être accompagné par un éditeur, c'est que tu signes un contrat et... la majeure partie des bénéfices sur le livre, c'est la maison d'édition qui les prend à sa charge. Elle a assuré la distribution, la commercialisation, et toi, en tant qu'auteur, tu touches une petite quote-part. C'est inférieur à 10%, même moins que cela. Il ne faut pas que tu t'attendes à des trucs incroyables. Je veux dire, un bouquin qui va être vendu 20 euros, bon, meilleur des cas, tu t'en tires avec 2 euros. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut raisonner. Que ce soit en auto-édition, lorsque tu vas être un petit peu, certes, tu auras un peu plus de marge sur ta marge, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut pas se dire, tiens, je vais faire du bénéf sur mon livre. Elle n'est pas là, la stratégie. On y vient juste après. Sur qu'est-ce que tu peux faire comme stratégie explosive avec un livre. Et même dans certains cas, même si tu perdais un petit peu d'argent en distribuant ce livre, l'idée c'est de ne pas en perdre, mais même si des fois tu perds un petit peu d'argent en distribuant ton livre, eh bien, tu le récupères sur ce qu'on appelle la long time value, la journée, le voyage de ta relation avec ton client et sur toute cette durée de vie de la relation que tu auras avec lui. À un moment donné, il finira bien par t'acheter un produit si tu as bien pensé à faire une séquence et toutes les relances qui vont bien en fonction de où il en est dans son livre, quel comportement il a eu par rapport à ton livre et d'où il te connaît. C'est les séquences et la segmentation. Bon. Et sur Amazon, alors oui, Amazon aussi propose un concept pour faire de l'auto-édition. Ça, c'est un sujet sur lequel je pense que j'inviterai prochainement un expert sur ce sujet précisément, pour répondre à ta question, Robin. Là, par exemple, Bertrand, tu cites Lulu.com. Alors, il y a d'autres plateformes, comme Fantastic Book, par exemple, et justement, je reçois son boss la semaine prochaine. Donc, vous verrez... On va encore aborder et creuser encore plus des points complémentaires. Donc, n'hésitez pas, posez un maximum de questions parce que dans le prochain live, je reçois vraiment un expert sur la partie auto-édition, impression et distribution du livre. Donc, ça va répondre à toutes vos questions. Là, maintenant, on va passer à la deuxième partie. Et encore, et franchement, je crois que j'ai oublié plein de choses par rapport à auto-édition, par rapport à édition. Mais si je devais résumer les choses, on va dire que être accompagné par un éditeur... célèbre, c'est franchement très classe pour l'autorité. Surtout, par exemple, si derrière, tu veux être intervenant, conférencier sur des sujets et prouver que tu es un peu l'expert reconnu, c'est quand même vachement la classe. Tu peux quand même en étant édité par un éditeur, trouver des arrangements qui font que, à un moment donné, une personne qui va lire ce livre édité par un grand éditeur, à un moment donné, tu peux aussi proposer dans le livre des ressources complémentaires qui ramènent vers ton tunnel à toi, vers ton site à toi. Ça aussi, c'est possible. Ça se discute et ça se convient. C'est convenu. Faut pas laisser toutes les mains libres en disant, j'écris pour toi, éditeur, et toi, tu vas tirer tous les bénéfices et les effets collatéraux du livre. Un éditeur veut surtout trouver son intérêt sur la commercialisation et la rentabilité d'un livre, mais après, tous les effets collatéraux, comme avoir de ce livre une source de trafic vers ton site, c'est à toi de négocier tout ça. Et
être en auto-édition, ben, tu l'auras compris, tu peux juger toi-même de ton timing, tu peux faire tout ce que tu veux dans ton livre, rappeler autant de fois les liens comme tu veux, et définir toi-même ton prix de vente si tu veux ben, rentabiliser un peu l'effort et l'énergie de promotion par rapport à la stratégie qu'on va voir juste après. Un expert qui a écrit un livre ou pas ? Ah oui, tu parles peut-être de quelqu'un qui ferait son beurre sur Amazon, j'imagine, James. Oui, si je reçois quelqu'un, en tout cas, enfin, sur le sujet de vendre son livre sur Amazon, ce sera évidemment quelqu'un qui n'a pas que de la théorie, mais qui a vécu le truc. Bon, maintenant, je vais te donner comme ça quelques ingrédients de ce qu'on propose comme étant un livre à succès. Ici, je te montre un premier exemple. 12 jours de Eric Béhanzin. Ici, c'est Eric qui a fait de l'auto-édition. Donc, il est passé par un service. C'est écrit à l'intérieur par qui il est passé. Par un service qui s'assure l'impression et la distribution. Mais ce livre-là, par exemple, on est sur un livre ici de 130 pages. Donc, c'est un livre qui se lit facilement, qui est très bien d'ailleurs. Et on va voir, par exemple, les composantes, puisqu'ici, l'auteur, en étant en auto-édition, il est libre. Eric, ici, il est libre de faire ce qu'il veut pour sa couverture. Il est libre d'écrire un titre qui intrigue. 12 jours. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et surtout, de pouvoir écrire une accroche. Une accroche, une promesse, comme par exemple, ici, c'est relativement intriguant et c'est riche en promesses, tu vas voir. L'histoire insolite d'un entrepreneur qui s'isole 12 jours sans nourriture, sans eau et écrit une méthode fulgurante pour vous rendre riche, heureux et fier de vous. Ça, c'est de l'accroche. Et donc, ça t'intrigue dès la couverture. Une couverture ici qui a des couleurs avec des contrastes assez forts. Tu as tout de suite ici une belle accroche qui marche. Et tu as ensuite ce qu'on appelle la quatrième de couve avec une photo de l'auteur. Ici. Et tous les ingrédients qui sont ici sont super importants. Si tu veux engager un copywriter, c'est le moment de le faire, tu vois. C'est-à-dire, le copywriter, il va t'aider à travailler sur le titre de ton livre. Il aura son mot à dire sur la couverture, mais là, tu peux faire appel à un graphiste pour ça. Mais surtout, le copywriter va t'aider à faire une quatrième de couve avec des arguments qui claquent. Chaque ligne est une punchline. Et après, tu as même ici une section « Il témoigne » avec des témoignages de gens qui ont lu le livre. Ici, on est sur de l'auto-édition. Eric, c'est un mec génial. Eric, si tu nous regardes. Il a imprimé plusieurs exemplaires de ce livre. Et il s'en sert vraiment comme une carte de visite améliorée. Quoi. Et puis, il a une stratégie aussi pour distribuer ce livre. Et son livre est bien foutu en plus, donc comme ça, voilà, je suis pas là pour vendre le livre d'Eric, mais en tout cas, il est bien, il est dans l'auto-édition ici, et c'est un bel exemple à regarder de près. Ensuite, on peut regarder ici, je parlais tout à l'heure de mon ami Frédéric Alvet, eh bien, regardez ici, on a son livre qui est donc chez l'éditeur Duno, donc à mes yeux, Duno, c'est un éditeur connu quand même, hein, Donc, c'est la classe de pouvoir être comme Frédéric ici, bah, édité chez Duno. On regarde un peu son livre. Alors, peut-être que ici, par rapport à la collection qui s'inscrit dans la collection marketing et communication. Par exemple, ici, peut-être que Frédéric avait peut-être moins de liberté pour choisir un élément visuel. Mais cela dit, ils ont quand même travaillé avec des graphistes, évidemment, pour choisir un élément qui soit à peu près dans la charte graphique de la collection de ce livre. Avec des couleurs assez vives, et quand même, le personnage ici, c'est un petit personnage qui montre un élément de croissance. On est sur un titre qui intrigue, le Growth Hacking. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, c'est un sujet que j'ai certainement déjà abordé, et que je continuerai, je recevrai certainement prochainement Frédéric, on se refera encore des lives ensemble pour parler notamment du Growth Hacking, une technique pour pirater ta croissance. Et c'est vachement bien foutu. Et regardez bien, on a également ici une promesse très forte, une belle accroche. 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects. C'est spécifique. Doubler le nombre de vos prospects en combien de temps ? En 8 semaines. Et donc, le livre est structuré en 8 semaines, 8 grandes parties qui vont te donner plein de valeurs. Et c'est super riche. Donc, ça a été coécrit. J'ai oublié de citer l'autre auteur. C'est coécrit entre Frédéric Canvet et Grégoire Gambato. Ils ont été tous les deux donc édités chez Duno. Et après, bah,
Avec Frédéric, on s'est retrouvé plusieurs fois. Il m'a offert ce livre, mais on s'est retrouvé plusieurs fois sur des salons où il était en mode, il intervenait sur le salon, donc c'était la classe en termes d'autorité perçue. Et après, il allait aux séances dédicaces. Et ça, c'est pareil. On se dit, mais hey, c'est qui cette star? Moi aussi, je veux mon autographe. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas eu ton autographe, Frédéric. Ça va s'arranger. Et derrière, on a bien le quatrième de couverture avec la photo des auteurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous propose des bonus. Malin. Il y a également ici une adresse. Une adresse qui s'appelle traficcommando.com. Eh bien, on pourrait dire, tiens, cette adresse-là, elle appartient à l'éditeur du lot. Non. Dans le livre, il y a des ressources complémentaires proposées par Frédéric. Et ça l'emmène vers un site dont Frédéric est propriétaire de ce site. Donc, quelque part, après, Frédéric peut faire un peu ce qu'il veut, en fait, sur son site. Bon, évidemment, il n'est pas là pour spammer les gens, pour dire « Super, j'ai ton adresse, je vais faire n'importe quoi » et puis me mettre à mal avec l'éditeur. Non, ça apporte de la valeur complémentaire et c'est une belle stratégie. Et on a bien ici bien toute une accroche qui a été bien travaillée pour donner envie de lire le livre. Voilà. Maintenant, très important dans les autres ingrédients qui font que ton livre va être un succès. Tu l'as vu, couverture, titre, accroche et quatrième de couve. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Imagine-toi, le gars, il est à la FNAC, il regarde le livre. Ou imagine-toi, le mec, il est sur Amazon, il dit « Je veux télécharger un extrait du livre. » Qu'est-ce qui va se passer dans l'extrait ou le gars qui est à la FNAC et qui regarde le début du livre? Le sommaire. Le sommaire, la table des matières de ton livre, chaque partie, chaque tête de chapitre, ça doit claquer. C'est pour ça que je te dis, fais appel à un copywriter parce qu'il va t'aider à faire le titre, l'accroche, la quatrième de couve et le sommaire. Il faut que le sommaire, il déchire. Il faut que t'envoies du lourd. Ah, je vois vos réactions. Donc, il faut que t'envoies du lourd dans ton sommaire. Il faut que ça claque. Il faut vraiment que chaque titre soit quasiment une accroche que tu aurais travaillé pendant des heures pour faire comme si c'était l'accroche d'une page de vente, tu vois. Et ça constitue ton sommaire, ta table des matières. Quand les gens ils voient ça à la FNAC ou quand les gens voient ça en extrait sur leur Kindle d'Amazon, ils se disent, mais je veux ça, je veux acheter. Et ce qui est dernier point, et après on passe à la suite, on passe aux choses sérieuses. Dernier point, c'est les 20 premiers pourcents de ton livre. La toute première partie, les 20 premières pages, si tu fais un livre de 100 pages, les 20 premiers pourcents, faut que ça claque. Faut que ça envoie du lourd. Pourquoi je te dis ça? Parce que t'as beaucoup de gens qui vont regarder que le début, lire que la moitié et abandonner très vite. Alors si t'as envie de la jouer en mode « Ouais, je sais pas trop quoi dire en première partie, bon ouais, je vais les préchauffer et puis on verra bien, de toute façon le meilleur de mon livre c'est au milieu et à la fin ça finit en feu d'artifice. » Eh ben tu sais quoi? Le feu d'artifice t'envoie le bouquet final dès le début. En gros, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il faut que t'accroches, faut que dès le début de ton livre, faut que ça pète, faut que ça claque, faut que t'envoies tes pépites les plus grosses au début du livre. Et après, tu continues à en livrer des pépites tout au long de ton livre, mais tu ne t'économises pas. Il n'y a pas de « je vais faire de la préchauffe, je vais raconter mon histoire pendant au moins 10 plombes ». J'en ai plein des bouquins comme ça, j'en ai plein des exemples ici sur ma table. De trucs que j'ai failli foutre au feu, j'ai pas de cheminée, c'est dommage. Parce que le mec, il racontait sa vie pendant une plombe, quoi. Je dis, mais attends, c'est pas la promesse de ton livre, quoi. Viens-en au fait, rapidement, dépêche-toi. Je te montre ici un exemple. L'exemple que je t'ai montré tout à l'heure. Eric Berzin. Dans son planning, il avait 12 jours de disponible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ces 12 jours pour partir s'isoler et se faire ce fameux jeûne de 12 jours. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je me tourne les pouces pendant 12 jours? Non. Je vais profiter de mon jeûne, de ce moment un peu de méditation profonde ou il s'est détaché, il s'est isolé, quoi, il est sorti de son contexte habituel, de cet isolement, pour écrire un livre. Voilà, donc on va dire qu'il s'est fait violence, bah non, chaque jour il écrivait un nouveau chapitre. J'en pense à un autre, Sébastien Knight, le marketeur français. Comment il a écrit son premier livre? Il a fait une série de webinaires qui ont été retranscrits par la suite, retravaillés, et ça a fait un premier livre. Comment il a écrit son deuxième livre? Il l'a écrit en mode, ce que j'appelle, attention, accroche-toi bien, Live Lean Startup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a co-écrit son livre avec son audience.
et il a utilisé ma méthode Puissance Live. Il m'a fait un témoignage à ce sujet, si tu me crois pas. Et il a donné des rendez-vous en live régulièrement avec son audience. Et il a même partagé son écran pour montrer comment il était en train d'écrire le chapitre suivant. Et l'audience lui posait des questions et ça lui permettait d'approfondir l'écriture de son livre. Et en faisant comme ça, on fait du Lean Startup. Ça veut dire que on n'attend pas d'être en mode tunnel et de sortir quelque chose. On produit quelque chose, on le confronte au terrain et on l'améliore. Eh bien, Sébastien a fait ce que je recommande avec ma méthode Puissance Live, du Live Lean Startup. Et c'est exactement comme cela que je vais préparer aussi mon livre en donnant des rendez-vous régulièrement à mon audience dans mon groupe privé Vidéo Club Business sur Facebook, où de temps en temps, mon audience découvrira des lives de pur contenu, des choses qui seront réutilisées ensuite pour écrire mon bouquin et que je pourrai aussi réutiliser comme des ressources complémentaires qui deviendront des ressources privées. Bon, je pense avoir fait le tour maintenant de plein de choses. Quand je vous disais l'isolement, par exemple, dans le cas d'Eric, c'est ce qui est arrivé à l'auteur d'un best-seller qui s'appelle Harry Potter. Attends, est-ce que je le prononce bien ? Harry Potter. Bon, tu l'auras compris, donc Harry Potter, Harry Potter, Mr. Potter, son auteur. Eh bien, en fait, elle s'est isolée dans un hôtel pour pouvoir finaliser le livre. Elle galérait, en fait. Elle était dans sa routine, elle n'arrivait pas à l'écrire. Elle s'est fait violence en allant s'isoler dans un hôtel pour pouvoir finir le livre.